Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. Dernière partie de cette émission avant la fin de cette émission. C'est le but d'une dernière partie d'ailleurs. C'est ça. Vous savez, j'ai pour habitude de dire des choses très intelligentes. Le soir Tarchaud, ça continue jusque presque 21h avec toute cette équipe. Sébastien, ça va? Impeccable. Kevin, ça va? Ouais, si on veut, ouais. Toujours malade. Et tu reviens demain, hein? Toujours malade, toujours vivant. Une bonne dose de cachet en rentrant ce soir, ouais. Et je pense que demain tu seras très en forme. T'as un mal de crâne, hein? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vin, ça va? Très bien. Très bien. Vince, il est chaud pour... Il est chaud jusqu'au bout, lui, on fait... Un petit bruitage. On part faire 12, quoi. Eh ben non. Juste parce que tu l'as demandé. Laura, ça va? Je ne mousse plus, donc ça va. Il y avait mousse, il y avait... Il y avait mousse. C'est un pote mousse. Ton pote mousse qui était là. Hélène, comment vas-tu? Ben moi, ça va. C'est jeudi, demain, vendredi, petit direct. Avec... agriculteur. Un bon invité, donc on va être bien. On va se mettre bien. Voilà. On va être obligé de bien bosser demain pour préparer le direct. À 8h, vous êtes là demain, de toute façon 8h. Faut pas croire, on travaille. Mais c'est vrai, tous les jours, on est là à 8h. En tout cas, l'émission, c'est un sacré taf de préparation. Ça paraît pas. 19h. De toute façon, si je l'avais su, je l'aurais pas fait. Hein, Stéphane? Ah, oui. Je travaille. C'est le seul à qui je demande rien. Ah, c'est les montages quand même. Les montages. Si, je dis rien. J'aime bien dire que je suis grosse tranquille. La page 6 et on s'arrêtera. 666. Non, faut plus lire le dernier 6 juste pour que les autres s'abonnent à l'autre. À l'autre. On va bien lui niquer son compte là, tu vois. Et surtout, les gars, n'oubliez donc, pas. Bien, abonnez-vous à Rocky 66. Quand tu parles, il y a la voix cassée. Les gars. Il y a un Seb PRN. Ah bon, non, je le dis même pas, ça sert à rien. 43 abonnés, ça sert à rien. Putain, j'ai un coup de chaud. Et moi, j'en ai 13. Enfin, non, j'en ai 14 parce que je crois que Sabi s'est abonné à moi tout à l'heure. Oh, je suis toujours pas Bah, il l'a dit tout à l'heure. Ah, j'ai pas écouté. Il faut aider quoi. Et mon nom de famille. Les personnes en difficulté. Non, mais je m'en fous, j'ai mis une vidéo dans ma vie. C'est mon fils qui m'a forcé à la mettre. Il m'a dit, je mets la même que toi sur mon TikTok, parce que lui a beaucoup plus d'abonnés que moi. Et il l'a même pas mis en fait. Il m'a mis une disquette. Il a tout compris. Il a tout compris à la life. La tournée des anecdotes, vous connaissez, on fait une tournée de table ou plusieurs tournées de table. Et le thème là, c'est pendant l'acte, une petite histoire que vous avez eue pendant l'acte. Je vais commencer. Oh, elle est pas fun, hein, mais il faut commencer, il faut se lancer. Donc on se lance, hein. Alors pendant l'acte, quand j'étais plus jeune, 14 ans, avec la personne avec qui j'étais du 14 coup, ans 14... Ah moi j'ai fait le montré tôt. T'es chaud, t'es devant encore toi. Longchamp plutôt, Longchamp. Mais oui, 14 ans j'avais déjà... c'est pour ça que j'ai fini par faire tout couper, hein. À un moment donné j'avais déjà usé le trognon. Donc à 14 ans... Il vend du rêve. C'est le dos le dos d'Axel. Merci beaucoup. Et donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, je pensais faire découvrir le doigt dans la chatte de la personne qui partageait mon moment. Ouais. Et le pire c'est qu'elle faisait des elle kiffait ce que je faisais. Et je me suis rendu compte à la fin que je n'étais pas du tout dans le vagin, mais dans le haut. Vous savez le haut du vagin, c'est pas profond. En fait, mon doigt ne rentrait pas plus loin que le premier truc. Mais pour moi, j'étais très jeune, c'était mon premier doigt. Parce qu'en fait, faut savoir que moi j'ai mis la bite avant le doigt. Hein. Bref, c'est mon premier doigt. J'ai pas compris pourquoi j'arrivais à mettre 17 cm et j'arrivais qu'à mettre 15 cm après dans le vagin. Donc je l'ai fisté, hein, avec un demi-doigt. Et première phalange. Et elle kiffait. Axel, une anecdote, un speech. Oui, moi c'est long, hein. C'est très très long. Hein. Enfin, c'est. Ton anecdote. Le speech. Sébastien, une tournée des anecdotes. Bah écoute, moi pendant l'acte, une fois avec une partenaire, on a pris une petite pause pendant l'acte et je suis allé uriner parce que j'avais envie d'uriner. Oh. Et après on est revenu, puis après on a continué. Ah, tu pues la pisse. Ah non, j'ai nettoyé quand même. Ah. Mais bon, d'accord. Ouais, ok. Mais bon. Quand t'as envie de pisser, t'as envie de pisser quand même. Ah mais moi ça m'est déjà arrivé, mais ça me fait déborder moi en fait de pisser. De pisser, d'avoir envie de pisser. Moi je pisse puis après ça repart. Oui, non mais c'est sur le moment, il y a le truc qui commence à devenir un peu mou de la chic là. Et puis,
parce que t'as envie de pisser, puis. Je connais pas Non, mais j'ai pas toujours envie de pisser quand je baise, hein, rassurez-vous. Le dos d'Axel. Ouais, là on arrive sur un dossier d'Axel, c'est même plus le dossier médical, là, c'est juste le dossier d'Axel. Merci Sébastien, Hélène, est-ce que t'as une petite pépère là? Un soir, pendant l'acte, ouais. Je devais tellement m'éclater que j'ai pensé à faire ma liste de courses pendant le moment. Donc mentalement j'ai fait ma liste de courses et quand ça a été fini, tout de suite après j'ai pris un papier et j'ai tout écrit. C'est bien dedans dans le truc. Putain j'ai oublié les carottes. Oh non. Les radis de la salade. Alors, de le la, la mayonnaise. Putain quand est-ce que ça se termine ça fait chier. Voilà. Des bonbons. Voilà. Il le sait. Il a compris, il t'a vu te ruer sur pense le post-it. Dans ma tête, il a dû comprendre que j'étais pas là psychologiquement. Mais t'es pas là. Mais t'es où? T'es où? Pas là. Je fais ma liste de courses, mais t'es où? Pas là. J'ai oublié le PQ. Pas là. Oh putain, voilà. Appelez-moi comme ça. Mais elle est où? Laura, est-ce que tu as quelque chose à nous faire profiter? Quelque chose de. J'ai eu un flash. Le flash peu catholique, flash. On t'écoute. Par contre, je sais pas si je dois en être fière ou. Bon, on va te dire ça tout de suite. Non, c'était une fois, je citerai pas de nom. Mais j'étais en pleine gâterie en fait. D'un seul coup, je me suis dit. Un petit montage. C'est ça. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal en fait. Et en fait, le mec il dormait. Donc je sais pas si c'était parce que c'était bon ou parce qu'il se faisait chier en fait. Je viens d'entendre. Le mec. Il s'est endormi. T'es sûr que tu peux pas citer le nom? Oh l'enculé. Oh, tu fais une gâterie au mec. Et il dormait quoi. Bah ouais en plus. J'ai senti que. Ah il y avait un petit relâchement. Ouais voilà. On m'a toujours dit qu'un pendu ça pendait. Ouais. Est-ce qu'il venait pas de se pendre avec sa ceinture C'est vrai qu'en le disant j'ai pas vérifié son pouls en partant. Je suis parti, je lui ai mis. Tiens, casse-toi connard. C'est la dernière fois que je l'ai vu d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas vu ça, j'ai le lendemain et revenu texto. Oh putain, ça doit être chaud quand même, hein. Par contre, j'ai jamais su. Je sais pas si c'est bien parce qu'il était bien ou si c'est vexant en fait. Merci Axel pour cette précision. Je sais pas, j'ai jamais su. J'ai déjà eu envie de m'endormir pendant une pipe, mais c'était de la fatigue. J'aimais bien la personne qui faisait ça, mais pas assez apparemment. Enfin, la dynamique n'était pas assez pour moi. Non, ça doit pas être bien. Je sais pas. Sébastien, un avis là-dessus? Quand tu t'endors pendant une pipe, c'est que tellement t'es bien que l'extase est. Non, c'est que t'es fatigué, je pense. Fatigué. Okay, d'accord. Bon, t'as pas rassuré, je crois là. Non, c'est pas grave. On peut pas toujours réussir, hein. Il faut. Les échecs qui font évoluer. Voilà. Encore une fois, la connexion, j'allais dire, on se nourrit des échecs en fait, hein, finalement. Hein. Oh, c'est vieux en plus. Hein. La bite est vieille. Et sur ces belles paroles, je pense que t'as bien. Regarde, tout le monde te regarde d'un coup. Je vais me cacher. Lou, t'es en dessous de ta chemise que tu portes depuis 15 jours maintenant. Je te conseille pas d'y aller. Hein. Quoi, anecdote de merde. Donc, Pendant l'acte, quand le chien se ramène en courant sur le plumard, qui nique tout. Ah non. Enfin, qui coupe tout. Ah, qu'est-ce que monsieur le chien nique tout. Et pas le mec. J'ai eu peur que tu dises le chien qui débarque. Une balosse, deux balosses. Oh bah ouais, non. Voilà. J'étais dans l'acte, j'ai senti quelqu'un arriver derrière. C'était le chien. Il remuait la queue. Il est juste arrivé ou il a participé? Ça a tout coupé après, voilà. Donc, parce qu'après, ça me fait penser à. Est-ce qu'il a essayé de te grimper? Ouais, parce que ça me fait penser à une émission d'il y a 3 semaines où après on doit forcer à faire manger la merde du chien et qu'après le gars. Tu te rappelles? Wow, C'est Seb qui nous a dit. Ouais, sur les perles, ouais, sur les perles. Encore une belle histoire. Le gars qui aimait bien manger le. De scrap. Oh! Scatophilie! Merci. Tout ce qui est la merde. Tu connais Scatman? Scatman. Bah écoute, sympa le chien. J'ai une nouvelle pour vous. Oh non. Ah ouais. Oh non, elle va pas nous plaire, je pense. L'émission va terminer. On peut pas faire un speak. Pour le fun. Allez. Non, on est arrivé au bout là. Vous nous voulez. Hein. Dites-le. Ouais. Mettez des likes. Demain le live avec Agricultor. Teur, putain. Agricultor. Tu reviens de Russie ou quoi? Putain, j'ai du mal. Oh non, mais je vais y aller là. Je pense que je vais y aller en Russie. Demain on va avoir du mal avec le pseudo. J'ai bu la vodka ce soir. Agricultor. Pour la vodka.
Demain, t'as intérêt de t'entraîner à le dire, agriculteur. Ouais. Sinon, il s'appelle Marco, ça ira plus vite. Ouais, ça ira plus vite. Ouais. Marco. Merci en tout cas pour cette émission. Merci pour, merci pour toutes toi, ces émissions. Booster. Mais de rien, c'est avec grand plaisir que je suis là pour vous booster. J'adore vous booster. Merci Hélène pour toute ta cuisine. Merci. Merci également Laura pour toute ta cuisine, ta bonne humeur. Ta bonne humeur aussi. Merci pour ta cuisine, merci pour ta bonne humeur. Ok. C'est difficile de contenter tout le monde. Hein. Merci Sébastien, tu n'as pas été là pour ce jeudi, mais merci beaucoup. Merci Sébastien pour pas ta cuisine, ni ta bonne humeur. Ni le ménage. Non, mais merci pour ton nez. Oui. Mais par contre, t'as été, début de semaine dernière, t'as été au taquet quand même, c'était bien. Et puis alors ton Mexico le avec Mexico. Axel la semaine d'avant, un c'était juste magnifique. Un peu moins sur cette fin de semaine. Ouais, là il a été en phase terminale. Un peu fatigué. Il est un peu éteint. Un petit coup de mou. Ouais, un petit coup de mou. Merci Vince. Avec plaisir. Merci avec Kevin plaisir. Pour ton assistanat. Ah, de rien. Et Stéphane, on s'arrêtera là-dessus d'ailleurs. Voilà. Au revoir. On se dit à demain pour le live. En forme et de bonne humeur, merci à tous et à bientôt. À salut demain. TSO Radio. La radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.